Et bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casabania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je vous trouve avec grand plaisir, les amis, sur WoW épisode 32, si je dis pas de bêtises, de mon let's play WoW 10 ans plus tard, on se retrouve à la barricade, la zone entre la clairière de Tirith Fall et les Malteterres de l'Ouest, où nous avons un espèce de campement de la croisade d'argent avec qui nous avons parlé à la fin de l'épisode dernier. Alors, on a une paire de quêtes à prendre apparemment, la petite carte d'Eaters. Alors, un vent brûlant approche, je peux le dire au rhumatisme de mes genoux. J'ai besoin d'herbes pestiférées, pour une expérience en quelque sorte. Le hic, c'est que ces croisés d'argent et ces satanés druides scénariens ont vraiment fait de l'excès de zèle en purifiant les malteterres. Donc il m'est impossible de trouver des composants nécessaires à distance, de marche raisonnable. Tu es des ours noirs malades dans les malteterres de l'Ouest, puis récolter 20 enchevêtrements de peste, qui poussent près de leur cadavre. Ok, ça marche. Et toi, mon petit bouchon? Prêtresse des ombres, Vandis. Ces soldats de l'Alliance paradent sur les Malteterres comme s'ils étaient chez eux. Eh bien, ils n'y sont pas. Ces terres appartiennent de plein droit à la Dame Noire. À mesure que la bataille pour Andorral approchait à son terme, les soldats de l'Alliance occupant les Malteterres se sont dispersés. Tu es 4 chasseurs de renards de l'Alliance, 4 bulles mastifs et 4 renards blanches queues dans les Malteterres de l'Ouest. Attention, ok. Nos ennemis sont nombreux. À vos ordres. Alors, Fossoyeux, je suis bien à 999 sur 1000 en répute. Du coup, je vais mettre mon petit tabac d'Orgrimmar et on va surveiller la répute d'Orgrimmar. Orgrimmar, bah la répute, actuellement honoré. Et là, cache d'autre, j'ai un aubergiste et une paire de personnes. Ok, donc direction en face. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire, mes amis. Alors j'ai une personne qui m'a posé une question assez intelligente qui me demandait comment on obtenait des objets héritage. Il m'a dit « Je débute, j'entends parler des objets héritage, comment on les obtient ?» Alors les objets héritage, alors à l'époque, je sais plus comment ça marchait, je m'en rappelle plus. Mais maintenant, si j'ai bien compris, il faut que tu sois en guilde. Donc moi j'ai pas de guilde avec ce personnage. Mais que tu peux avoir plusieurs personnages dans des guildes différentes, ça c'est pas un problème. Quand tu es en guilde, quand tu es guildé dans une guilde, quand tu fais des quêtes, des donjons, des missions, ou même encore mieux, des activités. Il se passe rien là. Des activités avec tes amis de guilde. Oh bah on va aller voir le bordel ici. Avec tes amis de guilde, et bah tu gagnes de la réputation de guilde. Et plus ta réputation de guilde augmente, et plus tu auras accès à des achats auprès du marchand de guilde. Et dans ces achats, tu trouveras des objets héritage. Donc, objets héritage que tu pourras donc acheter, il me semble que dans ces 300 gold, 500 gold à peu près, etc. Que tu pourras donc acheter avec n'importe quel perso, à condition d'avoir une réputation de guilde suffisante. Donc, il faut monter un perso dans une guilde, voilà, tout simplement. Et une fois que tu pourras les acheter avec n'importe quel perso, et bah tu vas le débloquer pour tout ton compte. Voilà, donc l'intérêt, bien, même si t'as un personnage qui est dans une guilde et un qui n'est pas guildé, etc., tu t'en fiches. Du moment que tu as accès via ta réputation de guilde au marchand de guilde, tu vas pouvoir du coup acheter via le vendeur de guilde des objets héritage. Ensuite, tu les actives si tu veux et ils se débloquent ici dans ton onglet collection. Héritage, voilà, et ça sera partagé pour tous tes autres personnages, ça c'est pas un problème. Donc tu vois, vendeur, si je regarde pour le home, vendeur de guilde et capital. Alors apparemment on peut aussi acheter en capital, alors comment? Contre quelle sorte de... d'argent? Je ne sais pas, on va essayer de trouver dans la database. Garnison, antiquité, objet légendaire, monture, tabac... Où est-ce que j'ai un endroit qui pourrait me dire classique? Non, je pense pas. Hein. Classique, c'est vraiment tout ce qui est donjon raid. Événements mondiaux, non. JCJ, non. Faction, maybe? Je pense pas. Hein. Non. Parce que si je regarde les factions, ce n'est pas ça qui vendent. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'obtenir des objets héritage? Je pense que oui. Hein. Set classique. Peut-être dans les sets classiques, non? Diverses sets. Garnison, antiquité, objet légendaire.
Mais c'est pas des objets légendaires, hein, c'est autre chose. Et bah c'est une très bonne question. Si quelqu'un peut répondre aussi à cette question, où est-ce qu'on peut acheter d'autres autrement que via les vendeurs de guildes les objets héritage, ça m'intéresse. Non, c'est pas ça que... Ah, je suis trompé. Du coup, je vais prendre le bœuf de l'été, tant qu'à faire. Je suis dessus. Allez, danse pour moi, petit singe. C'est une très bonne question. Parce que, hein, je rappelle, hein, si je vais dans la collection, et que je regarde, j'ai deux vendeurs possibles. Vendeur de guilde, donc via ton panneau guilde, et capital. Donc, dans les capitales, il doit y avoir un vendeur d'objets héritage. Alors, il y a sûrement des conditions pour pouvoir les acheter. Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question très intéressante que m'a posé un abonné. Ah, il tourne! Ah, je suis invité par une guilde, non. Eh, hey, donc, je me fais attaquer par un ours pendant que je suis en train de me buffer. Pas être tranquille dans le jeu. Tiens, pousse-toi. Voilà, je fais 42 minutes de buff. En haut à droite, vous voyez. On va le monter jusqu'à 60. Je rappelle, le buff est assez intéressant. Gain d'expérience en tuant des monstres, augmenté de 10%, donc c'est pas négligeable. Allez. Et voilà, me l'a buffé pour une heure. Parfait. On va passer aux choses sérieuses. Alors, il faut que je tue des loups, que je... des ours. C'est ce que je faisais, mais ça marchait pas. Et quand il meurt, ça fait pop des anges chevêtrement. C'est dur à dire. De peste. À mon avis, c'est des ours morts-vivants. Voilà, ici. Ours noir malade. D'accord, donc je tape sur les mauvais depuis tout à l'heure. Ok, et bon, on y va. C'est sur cela qu'il faut que je tape. C'est sûr, mais c'est sûr et certain. Voilà, c'est ça, super. Ah, faut que je les ramasse un par un, putain, c'est chiant. Donc j'en fais 5. Ours noir. Hirsute, hirsute, faucon. Hirsute, malade. Voilà. La peste s'abat. Eh bah, il a pas l'air en forme l'ours. Je suis bien content de le tuer finalement, ça l'aide. J'abrège ses souffrances, comme on dit. Ah, faut que j'imagine des trucs ici là. Enchevêtrement de peste. Ah bah, il y en a un peu partout. D'accord. Apparemment, il y en a un peu partout. Je suis pas forcément obligé de tuer des mobs. Effectivement, il y en a dans les. Non. Pour l'instant, tant qu'il y a de l'ours, il y a de la vie. Ou au contraire, il y a de la mort. Il m'en faut que 20, donc ça va aller plutôt rapidement, hein. Ça va, pas trop chiant. Si on est 5 par mob, j'en tue 4 et c'est bon. Tiens, le petit dernier pour la route, viens par là mon gars. Ah, même ce niveau 35, c'est très bien, moi je suis 36, donc c'est parfait. Je rappelle qu'on est là, dans les Malteterres de l'Ouest, pour passer jusqu'au niveau 40. Voilà, ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a de beau? On a des alliances à tuer. Il y a un camp de la croisade écarlate à visiter. Alors, des bulles mastifs. Il faut trouver des bulles mastifs, des chasseurs de renards et des renards blanche-queue. D'accord. Alors, je suis où sur la map là? Ah, je suis là, ok. Alors. Je dois d'abord choisir ici. Renard blanche-queue, super. Ça, c'est fait. Ça tombe extrêmement bien. Est-ce qu'il y a des champs de gangre-pierre? Est-ce qu'il y a des ennemis ici? Des travailleurs de l'Alliance? Ah, c'est vraiment que des fermiers ici. Pas trop m'attarder ici. À mon avis, on va demander d'y retourner pour tuer des fermiers, c'est même sûr et certain. On est bien du genre à s'attaquer aux fermiers. Je ne suis pas à bord.
En même temps, hein. C'est chelou ici, merde. Ok, d'accord. Chasseur de renards et des bulles mastifs, c'est ici. Bah, c'est super, on y va. Donc, ah oui, d'accord. Les bulles mastifs, c'est un espèce de gros Doberman, là. Un pitbull. Alors, déjà l'humain, tiens. J'aime bien les animaux. Je suis l'ami des bêtes. Donc, on va laisser survivre la bête plus longtemps. Mais on va tuer le maître. Ça tombe très bien. Rôdeuse pestilentielle, c'est une araignée. Il me reste encore un petit renard par ici. Bon, cette zone, elle me fait penser, trop de proportions gardées, à la zone des humains, la forêt d'Eldwin, un peu, hein. Mais un peu plus bordélique, parce que c'est la guerre juste à côté. Mais dans l'idée, on dirait qu'ils veulent s'implanter ici pour refaire une espèce de zone comme la forêt d'Eldwin. D'Eldwin, je sais même plus comment on prononce. Eldwin. Oh, je vais regarder sur la carte, pour pas dire de bêtises. Zone de départ des humains, c'est un... Je sais plus où c'est. C'est par là... Par là, quelque part là... C'est ici. Forêt d'Eldwin. Eldwin, ok. La forêt d'Eldwin. Ok. Alors, des buffmasters... Des buffmasters. J'entends une moto. Chasseur de renard. Et un dernier pour la route et on sera parfait. Il y a une espèce de campement là. Attention. Qu'est-ce que je peux y trouver? Ah d'accord, pour une énorme fosse. Est-ce qu'il y a des gens dedans? Ah dégueulasse, il y a des gens dedans. Ok. C'est pas gay tout ça, hein. La guerre c'est mal. Les enfants, la guerre c'est mal. Bon bah voilà, camp de la croisade écarlate. Ah oui, il faut que j'explore le camp de la croisade écarlate. C'est par où? C'est tout droit, on va aller voir un petit peu. La croisade écarlate, je me souviens qu'à l'époque, bon, ça existe toujours, ce fameux donjon, mais il s'appelait monastère écarlate, il y avait plusieurs zones. Monastère écarlate, c'était un donjon assez sympa. Alors, monastère écarlate, les chefs fanatiques de la croisade dirigent leurs adeptes depuis la cathédrale des écarlates. Au cœur du monastère, lourdement défendue, elle sert de quartier général à l'ordre, et certains des croisés les plus intégristes en arpentent les couloirs. Rappelez-vous, croisade écarlate, c'est vraiment les premiers méchants que nous avons rencontrés sur Soleil's Play. Effectivement, c'est ceux qui veulent annihiler les réprouvés. Hein. Pour eux, nous sommes une abomination qui n'a pas de lieu d'exister. Dis donc, tout le monde est mort. Ok, ils sont tous fait griller. Et bah si je meurs pas grillé comme eux, ça me va. Hein. Dommage. Pas de chance. Vous n'allez pas jouer avec le briquet. Ah, à secours, je brûle. Alors, la barricade. On peut peut-être essayer de se faire pop à un donjon pour le fun. Ouais, pour le fun, on sait jamais. Après, il est quand même 10h30 du matin, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, quoique je suis déjà un... Il manque juste le heal. Bon, ça sera l'occasion de... Ça fait longtemps que j'ai pas fait un donjon, sur l'occasion de se mettre un peu dans les pattes le boulot de tank. Je n'ai pas de cible. Et de faire un peu de pex, surtout que j'aurai un bonus. Non, un bonus. Allez, on retourne à la barricade. Rendre nos quêtes. Caquette. Oh, l'Almeria. Bénédiction, on y fait les joueurs. Alors, l'apothicaire, tiens. J'écoute. Les tissus animaux retiennent tellement mieux la maladie que les végétaux, n'est-ce pas? Merveilleux, il ne manquait plus que ça. Ne vous en ayez pas, Kazawar, laissez-moi vous parler de notre plan.
Vous avez vu dans quel état est le champ de Grande Pierre? Les forces de l'Alliance postées à Randoral l'ont investi afin d'y cultiver des légumes. Placez les barils de peste de Dieters près du moulin à vent, près des silos, près de la maison rustique et près de l'étable du champ de Grande Pierre. Bon bah ouais, je vous l'avais dit, c'était sûr qu'on allait s'occuper des paysans, on va les empoisonner à coups de peste. Oups, confiance. J'ai pas lu. Au secours. Qu'est-ce que c'est? Je suis soulagé de savoir que ces chasseurs ne sont plus un problème. Nous n'en avons pas fini avec l'Alliance cependant. Ah bah feu, maille, un tel endu, hâte. Ah. C'est peut-être mieux que ce que j'ai quand même. Il y a de l'intel, on s'en fout, mais il y a de l'endu. Et sur mon truc, il y a de l'esprit. Ça, on s'en fout un peu. Qu'est-ce qu'ils en pensent, mes petits bouchons? Allez, rendu et hâte, ce sera mieux que juste un... Voilà. Les hommes qui labourent le champ de Grand-Repierre ne sont pas des fermiers, ce sont des soldats. Les hommes de Tassarian avaient besoin de nourriture, donc ils ont envoyé une partie des forces de l'Alliance cultiver la terre du nord du champ de Grand-Repierre. Puis 9 travailleurs de l'Alliance sur le champ de Grand-Repierre. Voilà, on va les tuer et les empoisonner. La totale. La totale. Alors, Malte Terre de l'Ouest. Salut. Mais en vivant mage de niveau 36, tu dis Bardine. C'est qui me suit en plus. Alors, je pense que ça va être le silo. Donc. Ah. Je suis plus près. C'est pas moi! C'est pas moi, laisse-moi tranquille! On est armé, pour des fermiers là! Non, c'est pas des fermiers, c'est des soldats! Ah oui, d'accord, faut le positionner. Hop, voilà! Ça c'est bon, ça. Et une maison rustique, ça doit être ça. Alors, je suis sûr que c'est ce genre de coin où on peut trouver des persos rares. Des mobs rares. Moi je dis, ça sent bon. Je veux trouver un mob rare. Moi je dis, ça se trouve. En hauteur, dans une maison. De toute façon, ça coûte rien de jeter un oeil. Bon, après, ils sont nombreux, hein, donc on va éviter d'avoir la map aussi. Travailleurs. Ah, puis ils puis j'ai trop loin. Faire attention. Je suis plutôt solide. Je peux mettre ça peut-être dans la maison direct. Bah oui, voilà. Hop. Après, il y a le moulin avant et l'étable. Bon, bah écoutez, on va aggro la zone. Ah ouais, d'accord, carrément. No stress. C'est rien. Même pas peur. Tout en. Oh, tiens, le coup, on est bon là. Je dirais même qu'on est très bon. Je dirais même que c'est très pratique d'être guerrier tank. Ça marche vachement bien. Hop, on en parle plus. Bon, si vous pouviez éviter de repop à une vitesse folle, ça m'arrangerait. Voilà. Ça doit être l'étable. Alors, est-ce qu'il y a un MM là-dedans? Non. Faut se jouer. Faut se jouer. Mordez la cul. Oh, moi, j'y croyais, hein. Après, on n'a pas tout fait le tour encore. Placer un. Près du moulin avant, si on a fait le tour complet. Bon, allez, au moulin avant, plein milieu. Ça va, c'est le champ. Hop. Ah merde. Ça l'a pas pris. Ça l'a pas compté. Je suis trop loin. Oh, zut alors. On va attendre. Voilà. Il n'y a plus qu'à rendre. Il n'y a plus qu'à rendre. Hop, enfin, on a enfin des allers-retours dans le jeu. J'aimerais avoir mes statistiques, combien de kilomètres j'ai fait. Statistiques. Personnage, maybe. Alors, j'ai des statistiques assez rigolotes. Enchère la plus importante à l'hôtel des ventes. C'est ce que j'ai acheté le plus. C'est ça. Argent gagné à l'hôtel des ventes, 469 balles. Consommable. Réputation, équipement. Peut-être dans... J'ai vu un truc voyage.
Trajet aérien. J'ai un endroit où on peut voir le nombre de kilomètres qu'on a fait. Je ne sais plus où c'est. Il y a trop de stats. J'aime bien les jeux où t'as des stats sur ton perso, c'est sympa. C'est rigolo. J'écoute. Tu écoutes. Ah, j'espère qu'il est bien qu'ils ressusciteront sous forme de zombies. Tiens. Attention au vide. Ok, si tu veux. Ça a intérêt à valoir le coup. Alors, les barils sont bien placés. À bon endroit, très bien, j'avais informé le grand exécuteur. En m'emportant, il appuiera sur le bouton de détonation. C'est méchant. Force en du hâte, ça c'est très bien pour moi. Bouclier, un tel en du. On s'en fout. Tissu, agit en du. On va prendre la cape. Force en du hâte. Yeah. Hop, mais en plus on s'équipe gentiment. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah la croisade des calades, ça y est, on va pouvoir quitter avec eux. Je n'apprécie pas du tout les agissements de réprouvés sur la barricade. Des bombes, des chaudrons, des effusions, du sang inutile. Rien de tout cela ne correspond au niveau de la croisade d'argent. En outre, je n'aime pas non plus le fait qu'ils fassent appel à des mercenaires tels que vous. Mais bon, je suis obligé. Faites votre rapport à l'agent de terrain Kartihi, au bivouac des soigneurs, dans les Malteterres de l'Ouest. Ok. Bon, il est pas content de me voir, mais il a besoin de moi, quoi. Grand exécuteur Darrington. Quand Gros Pierre a été évacué et les bombes sont en position. J'espère que vous en êtes, que vous êtes prêts. Je vous conseille de vous boucher les oreilles. Que tout le monde se prépare pour la mise à feu. Aïe, il a fait péter le champ. Maintenant que Grand Gros Pierre est à nous, nous pouvons utiliser ce périmètre. Et tous les cadavres que nous y trouverons à nos propres fins. J'ai d'ailleurs reçu des ordres d'en haut disant que vous alliez être mis à contribution pour cela. Présentez-vous à l'INSEE Astrojet à l'avant-poste calciné. Ok. Bon, c'est bien, on avance bien. La zone est plutôt sympa. Il y a des petites histoires, il y a des trucs qui se passent. Et donc là, on va retourner au champ de grande pierre qu'on a nuked. Alors, F200 niveau 16. Aïe, tu risques de te faire un peu poutrer là, ma belle, si tu passes par là. Chamaloco. Chamaloco. F200 chasseresse, niveau 16 de l'arène. On va la suivre, on va regarder. Ah, elle prend l'aggro direct. Bon, on va l'aider, ça me fait du mal. Pas la peine qu'elle meure. Vous voulez parler? C'est une petite blonde. Mais bon, derrière l'écran, c'est un gros. Un gros slibard. Dommage. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc, instinct de survie? Effectivement, c'est un passif qui pop des fois, c'est ça? Instinct de survie, je me rappelle plus. Ah merde! Bah écoutez, les amis, on se lance, hein. Et ça fait une belle coupure pour l'épisode. Et on se retrouve très bientôt pour Marodon. Ok? Ou pas? Bah non. Bah si. Allez, à tout de suite.